Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre ensemble le Grand Prix du Mexique, ici sur le circuit Hermanos Rodriguez. Nous revenons une nouvelle fois aux États-Unis avant la fin de cette saison. Il y aura encore le Brésil à Interlagos et enfin la finale à Yas Marina. Mais pour l'heure, le championnat est plus serré que jamais avec le duel Alonso-Van Dorn qui prend donc une toute autre tournure ce week-end puisque l'on est et dans les derniers moments où on peut faire basculer le championnat. Championnat qui ne peut être décidé qu'entre ces deux pilotes, puisque derrière, on est trop loin pour les pilotes Ferrari et Mercedes. On commence ce week-end avec le vendredi matin. Vous le savez, depuis la fin de la recherche et du développement chez McLaren, on se concentre un peu moins sur le vendredi, mais voici tout de même une présentation de ce tracé du Grand Prix du Mexique avec la grande ligne droite principale, l'une des plus longues de la saison, où l'on atteint près de 360 km/h pour les pilotes avec le moins d'appui possible. On enchaîne dans un premier S ici, l'occasion peut-être de se placer, pas vraiment de dépasser au départ. Il faudra plus veiller à ne pas se faire percuter plutôt qu'à essayer de gagner des positions. Van Dorn qui évolue toujours dans le premier secteur. Voici l'un des premiers endroits les plus exigus, les plus étriqués de ce tracé avec pas mal de virages lents qui se passent en première ou en seconde. En tout cas, c'est ici que l'on va faire la différence entre ceux qui ont beaucoup ou peu d'appui sur le reste du tracé. Ensuite, on repart sur un dessin un peu plus classique. Vous savez, ce Grand Prix avait lieu dans le début des années 90 avec les grandes courbes ici qui mènent vers la fin du deuxième secteur. Et enfin la grande ligne droite que voici, un peu large ici pour Van Dorn, cette grande ligne droite avant un freinage à 90 degrés et l'entrée dans le stade qui n'est pas un stade de football mais bien un stade de baseball, comme ça vous savez tout, avec cette chicane devant. Regardez les très nombreux spectateurs, c'est ici également qu'aura lieu le podium. Et enfin voilà le dernier virage, la grande courbe qui n'est plus un banking comme il y a 20 ans et la ligne de départ arrivée. La première séance se termine bien pour les pilotes McLaren qui sont de nouveau coude à coude avec les pilotes Ferrari. Les objectifs de qualification sont simples pour McLaren, verrouiller la première ligne. Et c'est sous le soleil qui nous accompagnera d'ailleurs tout au long de ce week-end mexicain que l'on se retrouve pour vivre la première séance qualificative. 18 minutes pour rentrer le meilleur chrono possible. Nous allons suivre les exploits de Stoffel Vandoorne dans quelques instants en piste avec son premier chrono. Comme pour les autres, il faut se hisser parmi les 16 meilleurs pilotes afin d'avoir la volonté d'accéder à la Q2. Vous voyez pas mal de pilotes dans le paddock dont l'avenir est incertain. L'avenir de cette Formule 1 va aussi se jouer dans les prochaines semaines pour beaucoup de pilotes, notamment pour cet homme, Stoffel Vandoorne, que l'on chuchote de plus en plus chez Ferrari. Ferrari qui a pris un certain avantage depuis la fin de saison face à McLaren. Et il est vrai que l'année prochaine, sans bon pour la Scuderia, serait-ce l'année du sacre pour Van Dorn cette année, ou Alonso va-t-il continuer sa remontée? Pour cela, il faudrait gagner pour Stoffel Van Dorn. Mais il l'a dit en début de week-end, je ne suis pas du tout en confiance dans ce circuit du Mexique qu'il n'aime pas particulièrement. Vous voyez, à l'épreuve des freinages, la McLaren n'est pas tout à fait convaincante avec de nombreux blocages de roues depuis le début du week-end, et Van Dorn qui risque de souffrir. Donc encore un Grand Prix à l'avantage de son expérimenté équipier Fernando Alonso. Vous voyez qu'en qualification, Van Dorn dans ce premier tour va être gêné par l'une des Mercedes. Il s'agit de Valtteri Bottas qui a d'ailleurs, au passage en attendant, le meilleur temps provisoire de cette Q1 avec les pneus soft. Les pneus, on ne les a pas encore évoqués, on va y venir, avec la possibilité de chausser les pneus médium à bande blanche, les pneus tendres soft à bande jaune et les pneus super soft à bande rouge. Voilà, comme ça vous êtes également au courant des pneumatiques disponibles pour les pilotes. La Formule 1 est également dans une grande refonte. On parle de beaucoup de modifications de réglementation pour l'année prochaine, avec notamment un changement et une modification qui changerait complètement la physionomie du sport, avec un retour au moteur V8 qui a été évoqué par la FIA suite à l'échec de certains moteurs V8 hybrides et ensuite V6 hybrides. La formule n'est pas convaincante auprès des fans. Et le manque de son, de performance et la difficulté de mettre au point ces moteurs hybrides pourraient amener la FIA à revenir sur ses
Et décision, dans ce cas-là, la décision devrait être prise avant la fin du dernier Grand Prix afin de laisser le temps aux ingénieurs de retourner leur veste, on va dire cela comme ça, pour préparer la saison 2018. L'année 2018 est également assez riche en transferts, on y reviendra pendant ce week-end, mais on parle surtout d'un éventuel retour de Nico Rosberg après une année sabbatique, voire de Jenson Button chez McLaren, là où on devrait peut-être trouver une retraite pour Kimi Raikkonen. En tout cas, l'avenir se dessine, mais est encore très flou à ce stade-ci de la saison. Mais il ne faudra plus traîner parce qu'après, eh bien, ça sera trop tard si l'on veut glaner un volant dans l'une des équipes de la saison prochaine. D'ailleurs, en parlant de l'année prochaine, on sait que Manor est sur le point d'être racheté, peut-être par Volvo, peut-être par Aston Martin. En tout cas, ça se bouscule au portillon pour amener de la jeunesse. Et c'est tant mieux, la fin de cette Q1. Et vous découvrez les résultats. Fernando Alonso a été le plus rapide. Les deux pilotes Ferrari se sont qualifiés en pneus tendres. On notera la belle performance de la Manor de Rio Oriento et de la Williams de Lance Stroll. Et derrière, on est un petit peu plus déçu pour Lewis Hamilton malgré le fait qu'il passe en Q2. On perd Felipe Massa et surtout la déception, eh bien, c'est la perte du Français Esteban Ocon qui ne sera que 19e sur cette grille de départ. La Q2, vous connaissez la suite de cette procédure. Il faut désormais se placer parmi les 10 pilotes les plus rapides et on embarque avec Van Doorn dans la grande ligne droite maintenant pour le début de son tour. Romain Grosjean s'empare du meilleur temps dans ce début de Q2 avec un objectif pour Haas, mettre l'une de ses deux monoplaces dans le top 10 et donc en Q3, ce qui est tout à fait faisable hein, ici pour l'équipe américaine. Et regardez les enchaînements toujours très compliqués, Van Doorn qui se plaignait d'un train avant assez hasardeux, ce qui peut poser problème hein, sur un circuit comme celui-ci. Et donc face à Alonso, eh bien, il va tout simplement se contenter, nous a-t-il dit, eh bien, de sauver les meubles. Regardez, nouveau blocage de roue pour cette McLaren qui semble ne plus du tout convenir au pilotage du pilote belge. Et cela est dû notamment à la montée de tension au sein de l'équipe britannique, puisqu'on le sait, l'échange d'informations depuis Silverstone, eh bien, a été arrêté avec les différents heurts en piste et en dehors entre les deux pilotes. Van Doorn s'empare tout de même du meilleur temps de cette Q2, mais battu en 1.19.8 par Carlos Sainz. Et regardez finalement qui va réussir à passer en Q3 avec notamment la Manor d'Esteban Gutiérrez et la Haas de Kevin Magnussen. On va de nouveau perdre une Red Bull, celle de Max Verstappen qui se retrouve donc assez loin. L'autre Force India également, 15e place pour Sergio Perez. Les Force India ont souffert du côté de Lance Stroll. On a tenté le pari du pneu soft, malheureusement ça n'a pas été assez suffisant. On voit que Vettel est un petit peu en retrait dans cette Q2. On va voir surtout qui partira en Q3 avec quel pneu. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que devant, tout le monde partira en super soft. Il a suffi de 5 petites minutes entre la Q2 et la Q3 pour laisser les nuages s'installer dans le ciel de Mexico, mais sans grande conséquence, si ce n'est peut-être le refroidissement de l'air avec un peu plus d'humidité, mais il n'y a absolument aucun risque de voir de la pluie tomber dans cette Q3. 1.19.205, c'est le chrono de Kimi Raikkonen dans ce stade de la Q3. Rien n'est joué, tous les pilotes doivent encore terminer au moins un chrono. On sait que Alonso est le candidat principal favori à la pole position. La preuve à l'instant avec un 1.18.898 atomisant la concurrence. On attend la réaction peut-être de Sébastien Vettel, de Raikkonen ou de Van Doorn dans les prochains instants. Mais Fernando Alonso semble avoir une main mise sur la fin de cette saison 2017 avec pourquoi pas la fin de saison idéale avec encore 2 victoires et l'obtention de ce titre de champion du monde qui lui échappe depuis maintenant plus de 10 ans. Il a failli l'emporter à plusieurs reprises, on se rappelle des Grands Prix d'Abu Dhabi en 2010 et 2012 par exemple, ou encore face à Michael Schumacher, mais
Alonso est plus que jamais bien placé pour mettre à mal son jeune équipier à l'expérience. Van Dorn, P4, et ce ne sera rien de mieux aujourd'hui pour le pilote belge qui va finalement terminer au 5e rang. Vous voyez, tous les pilotes sont bien placés en super soft et deux ont réussi à se hisser en moins d'une minute 19. Ça promet pour la course de dimanche. Depuis l'hélicoptère pour cette course ici au Mexique, vous voyez le circuit avec des tribunes très très fournies et vous découvrez également le nom du driver of the day du dernier Grand Prix. Il s'agissait de Fernando Alonso, impérial une nouvelle fois aux États-Unis, alors que Van Dorn avait pris un petit peu l'eau en fin de Grand Prix. Le tracé de ce circuit du Grand Prix du Mexique avec, vous le voyez, 4 km 300 et une vitesse de pointe estimée à 365 km/h. Et c'est le retraité Nico Rosberg qui avait été le plus rapide en 1:20.521 en 2015 lors du retour de ce Grand Prix du Mexique. On va tout de suite se diriger vers la grille de départ où arrivent les premières images. Vous allez également y découvrir les classements. Voici aussi les pneumatiques qui sont allouées pour ce Grand Prix du Mexique. Max Verstappen de nouveau 13e. La déception pour le Néerlandais dans ce Grand Prix. Alonso en pole position, assez détendu, hein, on le voit. Maître de son sujet est plutôt confiant. Et la belle performance d'Esteban Gutiérrez, le Mexicain, avec la Manor également sur la grille, bien placée. Et il y a du monde hein, qui s'est amassé dans les tribunes. Effectivement, McLaren en course pour le titre de champion du monde constructeur avec 579 unités. La grille de départ, la voici avec, vous le voyez, la première ligne Alonso, Vettel. Ensuite, on retrouve Hamilton et Raikkonen. Les Ferrari ont bien joué leur coup. Bottas est juste derrière Van Dorn. On retrouve Ricciardo, Sainz. Bien joué pour sa 9e place à Magnussen et pour sa 10e place à Esteban Ocon. On retrouve la suite du classement. Esteban Gutiérrez, pardon. On retrouve Esteban Ocon, je voulais le dire. Voilà, au 19e rang de cette grille devant les Sauber et la Renault de Palmer. Ça va être compliqué pour le Français de remonter, mais on a foi en son moteur Mercedes, alors que le départ du tour de formation vient d'être donné. Ok, Jeff, copy, copy. Everything is fine on the car. Everything is fine for the moment on the car. Et vous l'entendez, Van Dorn qui signifie bien à son ingénieur Jeff que tout va bien à bord de la voiture. On va donc pouvoir entamer ce tour de formation avec quelques points à noter sur cette grille de départ. La bonne forme des As, les deux voitures aux portes et une dans le top 10, de quoi peut-être refaire un petit peu le moral de Jean Haas qui avait beaucoup souffert en milieu de saison. En tout cas, la fin de cette année 2017 est plutôt propice à l'équipe américaine. Et derrière, on peut également noter la mauvaise performance d'Esteban Ocon. Je le disais, suite à des problèmes de pression d'essence, il n'a pu rentrer qu'un seul chrono en Q1. Le pilote Force India n'a pas dû changer ni le moteur ni l'autre élément impliqué dans le souci. Donc, il pourra partir sans perte de position. Devant, Van Dorn un petit peu en retrait, va-t-il pouvoir remonter? Alonso va-t-il pouvoir faire également le nécessaire pour gagner des points? On rappelle, hein, Van Dorn 297 points, Alonso 282, Vettel 211 et Raikkonen 199. Voilà pour les hommes de tête. Derrière, on retrouve Bottas, Hamilton et Ricciardo au général. Mais le duel Alonso-Van Dorn doit tourner en la faveur d'un des deux pilotes et ce sera peut-être pour aujourd'hui. En tout cas, en tant que spectateur neutre, nous, ce que l'on voudrait, eh bien, ce serait bien que les deux pilotes se rejoignent avec moins de points d'écart avant les deux derniers Grands Prix à Interlagos et à Abu Dhabi. Voilà, les premières voitures viennent rejoindre leur emplacement sur la grille de départ. On attend la formation complète de cette même grille. Et on se retrouve pour l'extinction des feux dans quelques instants ici à Mexico pour un Grand Prix qui s'annonce chaud, chaud, chaud bouillant.
Et c'est parti, le départ du Grand Prix du Mexique 2017 avec un bon envol des Ferrari qui sont à l'intérieur en train de se chamailler. On va peut-être retrouver même Lewis Hamilton en tête à l'entame du premier droit. Attention, on va arriver à 3 de front, ça risque de frotter un petit peu au niveau du carbone. Et Hamilton, Alonso côte à côte. Et dans le premier, c'est le Britannique qui prend l'avantage. Non ! Alonso et Hamilton sont côte à côte à la sortie du premier S. Ça s'annonce très serré. On voit derrière Van Dorn qui tente de remonter sur les Ferrari. La troisième ligne peut être créée par Sébastien Vettel. Alonso en sandwich entre les deux machines de Maranello. Raikkonen ici à l'intérieur peut-être pour prendre la deuxième place. Le poleman qui s'est fait complètement enrhumer dans le début de ce Grand Prix. Raikkonen qui passe, non ! Van Dorn derrière reste à l'affût peut-être. On a une voiture dans le mur, il y a une Haas qui est allée percuter le mur derrière. Drapeau jaune puisqu'une Haas est allée se mettre en tête à queue derrière. Ici on a les deux Ferrari, attention, qui sont à la lutte et ça pourrait avoir des conséquences dramatiques sur le classement constructeur. Et bien un départ très mouvementé et un Lewis Hamilton impérial sur le premier tour qui a donc pris le meilleur sur Fernando Alonso. Sébastien Vettel est troisième devant Raikkonen, son équipe y retrouve ensuite Van Dorn et Bottas qui suivent. Mais on a perdu l'une ou l'autre voiture derrière qui était un petit peu au ralenti en tout cas. Un premier tour chaud, attention à l'aspiration, Raikkonen qui part à l'assaut de Vettel, son équipier Vettel ne s'en laisse pas compter. Van Dorn sur l'extérieur et derrière on voit que Bottas a été également dépassé. Raikkonen qui complète le dépassement, Van Dorn qui s'infiltre. Oh, la belle opportunité pour le Belge, Raikkonen est passé, Vettel a perdu de place. Et je crois même que derrière la Toro Rosso pourrait aussi passer. Oui, Daniil Kvyat s'empare de la position de Vettel, bien joué. Et donc on retrouve derrière Vettel, Bottas, Ricciardo semble-t-il et Esteban Gutiérrez. Eh bien, quel départ ici à Mexico avec Hamilton bien installé au commandement. Ah, et les Mercedes que l'on n'avait pas vu prendre à si bon envol depuis un certain temps. Ferrari était revenu dans la bagarre. Et pour le moment, ça a l'air de bien se passer pour tout le monde. Van Dorn qui bloque ses roues. Attention à l'entrée du stadium, il est un peu au large. Est-ce que les pneus softs sont en train de flancher ? Jeff, I think the tire degradation is a bit quicker than expected. Should we stop earlier for the first stop? Should we stop earlier? DRS is now enabled and will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. Et Vettel devant qui continue alors que du côté de Van Dorn, on se demande si on ne devrait pas avancer le premier stop de ce Grand Prix. Les pneus super tendres étant un petit peu plus usés que prévu dans le chef du pilote belge. On le rappelle, beaucoup de feuilles qui volent avec les arbres alentours, vous le voyez, de quoi peut-être boucher les écopes de frein en plus de l'altitude de ce circuit élevé à attention aux moteurs qui peuvent subir des dégradations et des dommages. Alors que là, il y a des débris sur le circuit, sans doute dû à l'accrochage impliquant la Haas. Au départ, on n'a pas vu ce qui s'est passé pour le moment. Troisième tour de course, toujours Raikkonen à la chasse de la voiture et de Fernando Alonso lui-même poursuivant Lewis Hamilton en tête. Attention, Van Dorn, oui, qui a l'air de souffrir au niveau des pneumatiques. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire rentrer plutôt le Belge pour créer un éventuel undercut? Il faut voir, peut-être qu'on est en train de tirer aussi sur la stratégie. Kvyat derrière à une seconde est aussi bien installé. We think there's a viable strategy change available to us. Would you like to keep to the current plan or try the new one? We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Confirmed. Stoffel Van Dorn qui demande des pneus tendres lors de son prochain arrêt. Alors qu'ici, Sébastien Vettel tente de remonter un petit peu la pente après un départ compliqué avec tout d'abord le dépassement de Raikkonen, d'Alonso et bien suivent ceux de Van Dorn. On revoit le départ de ce Grand Prix avec la voiture de Kimi Raikkonen qui était allé titiller son coéquipier. On le voit, très bon envol du Finlandais.
Regardez, il n'y a pas grand-chose comme place. Et pourtant, il démarre mieux. On voit également l'avantage pris par Hamilton. Mais regardez, côte à côte avec Van Dorn. Et ici, hop, le contact était plus que limite. Lance Stroll, le pilote canadien, parti aux côtés de son équipier Felipe Massa chez Williams. Ces deux-là se retrouvent bien mal engagés dans le début de ce Grand Prix. Regardez, il y a beaucoup de monde. Il y avait trois lignes dans les S. C'était pas simple d'en profiter. On voit Verstappen ici, sur la gauche avec la Red Bull qui était parti 13e. Le très bon départ de Daniil Gyat. Regardez d'où il part. Il va tout d'abord éliminer la voiture de Gutiérrez, la voiture de Sainz, son équipier. Et il va être fortement aidé pour l'élimination de la Haas de Magnussen sur la gauche. Et il va même chercher Daniel Ricciardo, voire Stoffel Vandoorne. Voilà, très très bon envol de la part de la Toro Rosso du Russe. Même si ici, ça a joué un petit peu des coudes avec... Jeff, I need a quick update on my gap against Raikkonen. Couldn't receive that. Repeat the message. What's my gap with Raikkonen, Jeff? What's my gap to Raikkonen? Okay, gap ahead is 3.1 seconds. Alors que l'on le constate, hein, les conversations radio ne passent pas forcément très très bien dans certains secteurs du circuit. Alors qu'Hamilton, lui, passe très très bien dans le stade. Regardez ça, hop, il s'engouffre entre les tribunes. Et il va compléter un nouveau tour de ce Grand Prix du Mexique au commandement. Ah, c'est vrai que si Mercedes parvenait à remporter une course, ça les remettrait peut-être dans la course au classement constructeur, à voir ce que va faire aussi Ferrari. Hein. La course est encore longue, il n'y a que 5 tours couverts. Et Van Dorn qui plonge. Alerte chez McLaren, premier arrêt de la course pour Van Dorn avec un passage limite au niveau de la cellule de transpondeur pour la vitesse. Le radar n'a pas piégé Van Dorn. Alors on va lui monter normalement des pneus tendres. Voilà les pneus à flanc jaune alors qu'on est prêt également... Et la 18e position pour le Belge à la sortie de la voie des box. Retour en tête avec Fernando Alonso qui lutte avec Raikkonen qui lui a pris la deuxième place. Et bien voilà, sans doute à l'aspiration, on l'a manqué. Mais Raikkonen et Alonso continuent de se battre comme des chiffonniers. Alors que derrière, on a Valtteri Bottas qui souffre. Daniil Gyat avec la vue de l'hélicoptère. Daniil Gyat qui d'ailleurs est en sursis pour l'année prochaine également au sein de l'équipe Toro Rosso. On avait peur à un certain moment de voir le pilote russe revenir chez Red Bull avec les déboires de Max Verstappen. Mais ce serait vers la porte de sortie que se dirigerait le pilote russe, laissant ainsi la mère patrie sans représentant pour la saison prochaine. Alors que Valtteri Bottas est au box, l'arrêt de la Red Bull également derrière de, je dirais, Daniel Ricciardo. Effectivement, c'est bien Ricciardo qui rentre, ainsi que Carlos Sainz. La Toro Rosso de l'Espagnol qui passe juste devant. Voilà, changement de museau pour Sainz. Est-ce qu'il a été impliqué dans l'accrochage qui concernait également Kevin Magnussen en début d'épreuve? Ça n'est, pour ma part, je pense, pas impossible. Et on relâche la voiture du pilote espagnol. Alors qu'ici, c'est la foire d'empoigne. Il y a Pascal Wehrlein avec Hülkenberg et visiblement la voiture de Bottas qui sortait des box. Alors que Wehrlein montre qui est le patron à Hülkenberg en se hissant juste devant. Sauber également dans la tourmente hein, avec des possibilités de rachat d'Alfa Romeo. Et oui, Ferrari voudrait faire un junior team histoire de placer ces jeunes loups qui font pour l'instant... les belles heures de la Ferrari Academy, on pense à Giovinazzi, à Charles Leclerc également très performant en Formule 2. Alors que là, c'est Bottas qui se montre très persuasif face à Palmer et qui passe. Logique, logique, la Mercedes est plus performante que la Renault. Au grand désespoir de son pilote britannique qui devrait également perdre son baquet l'année prochaine. En tout cas, il n'y a pas de contrat pour lui alors que Hülkenberg aurait déjà été confirmé. Ah oui, c'est les chaises musicales, hein. On vous le disait. The car behind has come in. They're now on the soft tire. Softs on the car behind. On tient Van Dorn à jour de ce qui se passe autour de lui. Allez, on passe sur les régionaux de l'étape avec Sergio Pérez, le Mexicain du coup,
qui eh bien, est pour l'instant à une très très belle 11e position. Une fois que les arrêts auront eu lieu, mais avec l'arrêt de ses petits camarades, il est hissé au 5e rang à la bagarre avec, je crois, Romain Grosjean et son compatriote. Ce serait bien. Esteban Gutiérrez, alors que ça rentre pour la Haas. La Haas de Romain Grosjean, le français au box, alors qu'on est prêt également chez Ferrari. On va sans doute accueillir Sébastien Vettel dans les prochaines secondes, alors que du côté de la Haas, ça se passe sans problème. On monte des pneus à bande jaune, Stroll également. On est prêt chez Renault, sans doute. Voilà, Hülkenberg qui rentre, Nico Hülkenberg au box. Et l'arrêt un peu prolongé par un autre changement de museau. Décidément, il y a eu pas mal de carbone dans ces premiers tours. Attention aux crevaisons à haute vitesse. On sait que la grande ligne droite peut être l'un des endroits où il risque d'y avoir des soucis. C'est maintenant au tour de Marcus Ericsson, le pilote suédois, de chausser les pneus jaunes, les pneus tendres. Et on retrouve Van Dorn pour l'instant, 6e du Grand Prix, alors qu'Alonso s'empare en 1:21.4 du meilleur tour en course. Meilleur tour battu à l'instant par Sébastien Vettel en 1:21.400. Massa qui doit résister au retour des Red Bull. L'attaque imparable qui va arriver à mon avis. Non, on n'y va pas du côté de la Red Bull, incroyable. Jeff, I can't be quicker for the moment. That's my pace and that's it. I can't do anything for that. Alors qu'on demande à Van Dorn d'aller plus vite, ce à quoi le Belge répond, c'est mon rythme Jeff, je ne peux pas aller plus vite. C'est comme ça, c'est la réalité du moment. Van Dorn qui souffre. Alors là devant on a un petit regroupement avec les pilotes qui n'ont pas stoppé. Il y a la Manor qui bouchonne un petit peu et on retrouve du coup Hamilton, Alonso et Raikkonen dans un mouchoir de poche. Alors que Hamilton va déboîter pour aller attaquer la Manor je crois. Raikkonen qui va aller chercher peut-être Alonso à l'aspiration, le Finlandais qui déboîte. Belle prise de pouvoir de la part du Finlandais. Alors que derrière l'autre Ferrari et l'autre McLaren s'explique. Van Dorn face à Vettel pour la 5e place. Vettel qui a le DRS. Pour se défendre face au Courtraisien qui donne tout ce qu'il a pour être peut-être d'ici 3 Grands Prix le premier champion du monde belge. On y croit chez McLaren, on y croit également du côté de Van Dorn. On a failli avoir un champion du monde belge, hein. C'était en 1970 avec Jacques X chez Ferrari, un vice-champion du monde. Et depuis, les représentants belges ont été nombreux, mais jamais avec le succès connu par Stoffel Van Dorn. On pense à Philippe Louis Adams, notamment Jérôme D'Ambronzio, Bertrand Baguette, Bas Linders chez Minardi, il y a 13 ans de cela. Ou encore, récemment, d'autres talents préféré se diriger vers d'autres disciplines. L'arrêt de Rio Arianto, l'Indonésien, pour un deuxième train de pneus tendres. C'est lui qui était juste devant la voiture de Lewis Hamilton tout à l'heure et qui l'avait bloqué. On laisse donc de nouveau le champ libre aux hommes de tête. Et il ressort derrière la voiture de Sergio Perez. La Force India juste devant. Alors que là, on a une bagarre avec Massa et Verstappen, semble-t-il. Oh, attention, parce que là, on a deux bons tempéraments qui se battent. Effectivement, c'est Felipe Massa et la Red Bull devant lui qui doit prendre l'avantage. C'est fait. Et retour sur Stoffel Van Dorn dans ce 12e tour de course. Conditions to remain dry for a while. We will update you if the outlook changes.
la confirmation du bon temps. Hein. Jusque la fin de cette épreuve, effectivement, on a eu quelques menaces samedi après-midi avec la Q3 et en fin d'après-midi, mais il n'y a même pas une seule goutte de tomber sur le circuit, qui d'ailleurs a été franchement gommé par les pilotes. Ça a été mentionné par pas mal en conférence de presse, expliquant que c'était une bonne chose que sur une piste comme celle-ci, il ne pleuve pas afin de garder la gomme sur la trajectoire et donc permettre une usure moindre au fur et à mesure du week-end et surtout gagner en temps de chrono de piste. Allez, nouveau changement de museau, décidément on les offre ce week-end. C'est cette fois-ci pour Pascal Wehrlein. La Sauber, sponsorisée par BMW, qui repart à l'assaut du circuit. Hermanos Rodriguez. Et Alonso Raikkonen, la lutte continue pour la deuxième position. Est-ce que l'Espagnol va pouvoir reprendre son dû? Ça semble être le cas avec une attaque maintenant pour le taureau des Asturies qui se porte à la hauteur de Kimi Raikkonen. Et c'est passé sans trop de problèmes. Alors maintenant, est-ce qu'Alonso a le rythme et la voiture capable d'aller chercher Lewis Hamilton dans les prochains tours de ce Grand Prix? On va surveiller ça avec attention. L'écart entre les deux leaders qui ne fait que ça me nuisait au fur et à mesure des tours. Dans le secteur 1, pour avoir une chance de passer la Ferrari de Vettel. C'est vrai que le moteur de la McLaren a beau avoir été son handicap pendant de nombreux mois, c'est aujourd'hui devenu un de ses atouts, hein, cette vitesse de pointe colossale. Même si chez McLaren, on n'a pas non plus eu la volonté d'aller au bout du développement, pensant déjà à l'année prochaine, puisque Ferrari revenait très très fort. Dépassement de Raikkonen qui reprend sa deuxième place. Oui, ça va s'échanger les positions, à mon avis, pendant une paire de tours là. S'ils restent séparés de la seconde ou de moins, ils vont avoir le DRS et donc vont se tenir un petit peu. C'est maintenant au tour d'Alonso, vous voyez, de se retrouver avec l'aileron arrière disponible. On a vu brièvement un petit message passer sur le bas de votre écran. Si d'aventure vous souhaitez vous aussi choisir votre driver of the day, le pilote qui vous a marqué lors de ce Grand Prix du Mexique, comme vous l'avez fait lors du Grand Prix des États-Unis en votant pour Fernando Alonso à plus de 40%, eh bien, il sera proclamé au départ de l'avant-dernière course de la saison. Alors que Raikkonen et Alonso, je vous le disais, continuent de se battre avec un échange quasiment tour par tour de position. Ils se tirent l'un l'autre avec le DRS vers la Mercedes d'Hamilton. Regardez les nombreuses feuilles qui viennent s'écraser sur le circuit. Ça a déjà été nettoyé par les commissaires avant le départ et malgré tout, eh bien, ça continue de tomber. Une chose qui continue de tomber dans ce Grand Prix du Mexique, ce sont les chronos. On n'arrête pas d'améliorer. Que ça soit du côté de Fernando Alonso, Van Dorn ou encore derrière avec les Force India qui remontent aussi assez fort. Elles sont assez rapides, les Force India, elles sont juste derrière les Mercedes et les Ferrari. Puisque les voitures les plus rapides en course sont pour l'instant celles de Vettel et surtout celles de Fernando Alonso. Et la preuve à l'image, puisque regardez, ils sont désormais trois leaders dans la même image, le même cadre avec Hamilton en tête devant Alonso et Raikkonen, avec qui nous sommes désormais en caméra embarquée. Et avec le DRS, vous voyez, Alonso ne peut rien faire face à Raikkonen, si ce n'est attendre la prochaine zone pour essayer de redépasser. Mais ça s'annonce toujours de plus en plus compliqué. Van Dorn, 5e dans la tourmente pour le moment, avec un classement au championnat du monde qui s'avérerait un petit peu chamboulé, avec les 25 points d'Hamilton, les 18
d'Alonso et les, je crois, 8-10 que devrait ramener Van Dorn. Hop, d'ailleurs, en parlant de Van Dorn, il devrait ramener peut-être un avertissement pour Track Limits. Alors que l'on a un arrêt de programmé chez McLaren, Van Dorn qui devrait rentrer à la fin de ce tour. Et Van Dorn qui va plonger dans la pit lane. L'arrêt au box du Belge. Release, release. 2 secondes, 9, ça n'est pas terrible. Le chrono des mécaniciens de chez McLaren qui nous ont habitués parfois à des chronos beaucoup plus satisfaisants. Et le retour en piste en 8ème position pour Van Dorn avec, regardez, la voiture de Carlos Sainz qui était dans les parages. Et Sainz qui se laisse dépasser par... la voiture de Van Dorn, mais derrière on voit que ça s'abarde avec Sergio Perez. Et Van Dorn qui n'est pas forcément à son affaire, hein. Regardez, il vient de sortir avec des pneus neufs et malgré tout on voit que la Toro Rosso derrière de Sainz et la Force India de Perez parviennent à tenir facilement le rythme alors qu'ils sont sur des gommes bon, chaudes certes mais usées. Et Van Dorn qui va se faire attaquer par Sainz. Attention parce que là ça peut être un tournant au championnat de voir Alonso prendre la tête et Van Dorn couler un petit peu. Il laisse son équipier en piste avec les autres, notamment la voiture de Sergio Perez. Voilà, Sainz dans les box, on monte des hards, on va sans doute aller au bout maintenant de ce Grand Prix du Mexique. Alors que derrière il y avait une autre voiture, c'est Esteban Gutiérrez, l'autre régional de l'étape, qui monte également des pneus hard. Allez, deux arrêts pour ces voitures. On va aller au bout de ce Grand Prix du Mexique pour la voiture de Sainz et celle de Gutiérrez, en espérant peut-être une safety car. Attention, on rentre également. Cette fois-ci, c'est au tour, je crois, de Kevin Magnussen de venir chausser des gommes neuves. Voilà, le Danois chausse un deuxième train de pneus hard, en tout cas de pneus médium, mais les pneus les plus durs à disposition. Et qui relance sa machine en piste, lui qui était en tête à queue hein, au départ. Alors qu'ici on retrouve la lutte, attention avec Raikkonen et Alonso. Et depuis tout à l'heure, ces deux-là n'arrêtent pas. C'est pas pour une deuxième place hein, ici maintenant. Et avec la sortie de la Haas sous le nez. Et le museau de la Ferrari de Raikkonen, ça s'annonce compliqué. Drapeau bleu, les deux pilotes peuvent passer sans perdre trop de temps, c'est pas mal. Et Alonso avec le DRS qui a une belle opportunité d'aller chercher peut-être son adversaire. On est avec Van Dorn maintenant. Et Alonso devant qui a passé Raikkonen alors que Van Dorn est en train de faire l'extérieur à Valtteri Bottas. Sans difficulté pour la McLaren qui prend le meilleur sur... la Mercedes du Finlandais, bien joué. Et la sixième place, du coup, qui revient au pilote belge avec, vous voyez, un bon premier secteur dans le mauve. Et on relance la voiture de Kimi Raikkonen. L'ambiance est très studieuse ici au Mexique. Je vous ai laissé profiter un petit peu parce que les tribunes sont calmes. Il n'y a pas de bruit de la part des spectateurs. Et ça relance aussi du côté d'Alonso. Pas d'undercut tenté chez l'un et l'autre. Les deux se sont battus en piste, se sont battus au box et repartent avec un avantage maintenant puisque la Mercedes est passée.
Et on retrouve les trois hommes de tête de ce Grand Prix avec donc Raikkonen, Hamilton et Alonso. Hamilton qui a bien raté son undercut, hein, puisque on voit que Raikkonen a pu passer alors qu'il était bien devant tout à l'heure. Regardez-moi ce trio infernal. Alors que Vettel est en tête, hein, on dit bagarre pour la troisième place évidemment. Puisque Sébastien Vettel est en tête du Grand Prix mais doit encore ravitailler avec sa Ferrari. Mais ce sont techniquement les trois premiers pilotes du Grand Prix que vous avez à l'image. Et ça promet. Allez, on rappelle que vous pouvez voter donc dans la description pour votre driver of the day. Il y a un lien Stropole. Cochez le nom du pilote qui reçoit vos faveurs pour le Grand Prix. P6, we have P6. Grosjean is ahead of you. Our gap to the car in front is 2.6 seconds. They're on old softs. Less than a second separate you. They're on fresh mediums. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. 15 laps still remaining. Repeat that. There's interference. Et l'update complète du Grand Prix dans la radio de Van Dorn, c'était maintenant en compagnie de Jeff, son ingénieur. Alors que là, on retrouve donc le trio infernal. Mais attention, hein, parce que on sait que les moteurs sont mis à rude épreuve ici. On a demandé parfois de laisser un petit peu d'espace entre les voitures pour ne pas surchauffer outre mesure. Parce qu'il y a vraiment un risque. Hop, 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 Van Dorn qui est au large, attention! Van Dorn qui a loupé son freinage et qui s'est vu surprendre par ses pneumatiques alors qu'il doit aller au bout avec ses pneus médiums. Hein, attention. À l'image, Esteban Ocon et maintenant Pascal Wehrlein qui sont à la bagarre. Alors que vous ne l'entendez pas, mais on reçoit des messages d'alerte dans les radios concernant les températures moteurs. Avec attention à retardataire, c'est Marcus Ericsson qui est un petit peu dans le chemin. Alonso qui n'a pas pu passer tout de suite la voiture du pilote suédois qui va maintenant s'écarter. Mais c'est du temps perdu pour Van Dorn. Et pour Alonso. Et Van Dorn qui a eu un très mauvais premier secteur. Il a sans doute été également pris dans le feu de certains retardataires. Les trois hommes de tête. Qui va craquer en premier? Incroyable. Oh, de la fumée. Alonso qui casse son moteur. Casse moteur pour Alonso. Le tournant du championnat peut-être. Il est arrêté Alonso. Qu'est-ce qui s'est passé? Drapeau jaune, voiture de sécurité pour Alonso. Et Van Dorn, regardez quelle image qui va passer devant la voiture de son coéquipier arrêté en bord de piste. Est-ce que Van Dorn n'est pas en train d'aller chercher le titre sur ce Grand Prix du Mexique? Mais quelle malchance pour Alonso! Quelle malchance pour le pilote espagnol! Ah, c'est incroyable! Incroyable ce qui est en train de se passer! Jeff, box this lap. Box this lap, please. Et Van Dorn qui n'est pas satisfait de ses pneus médiums. Un arrêt sous safety car pour le pilote belge. Ça n'est pas idiot. Jeff, we need to put the soft tires for the next stop. Roger that. Soft tires at the next pit stop. Les pneus tendres demandés par Van Dorn qui souffre en pneus durs, mais c'est une belle occasion d'aller chercher peut-être de gros points. Par contre, il va perdre des positions. Kvyat également rentre au box. Le pilote russe derrière. Ouais, Van Dorn qui va pas perdre tant de place que ça avec les arrêts de ses petits camarades derrière. Et il arrive à repartir même devant la Toro Rosso, bien joué. Et Van Dorn qui repart et on va donc faire les comptes avant la relance. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Quel joli coup de Van Dorn. Et voilà les prédictions au championnat. Van Dorn qui, s'il reste à sa place, prendrait 10 points. Plus de points pour Alonso et Vettel derrière en prendrait également 12 ou 15, ça bouge hein, depuis la statistique. Et on est donc sous régime de pace car ici à Mexico. Première sortie de la voiture de sécurité, c'est pour un moteur et c'est celui de la McLaren d'Alonso. Ah vraiment, c'est dommage, hein, c'est vraiment, vraiment dommage. Et Bernd Meilander hein, qui doit se faire plaisir au volant de cette AMG GT en tête de ce Grand Prix
du Mexique. On retrouve donc Sébastien Vettel qui va inscrire 25 points provisoirement devant Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas, Stoffel Vandoorne et la voiture de sécurité qui va rentrer à la fin de ce tour de course, le 26e. Safety car in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the first safety car line. Stay in position until the green flags. Vandoorne avec des pneus tendres neufs va peut-être aller chercher des gros points. Raikkonen qui laisse filer la Mercedes de Mailander, le pace car qui va s'écarter. On va de nouveau retrouver le régime de drapeau vert ici à moins de 10 tours de l'arrivée. Le safety car qui est rentré et c'est parti, drapeau vert. On a donc Raikkonen en tête devant Hamilton. Et la Sauber qui va s'écarter tout de suite. Troisième place pour Vettel, quatrième Bottas. 5e Vandoorne, 6e Ricciardo, 7e Grosjean, 8e Kvyat. Et attention au drapeau bleu. Et Bottas qui est attaqué. Raikkonen aussi. Oh, et Bottas qui est touché par Vandoorne. Et ils se sont touchés. Bottas qui s'accroche avec une Red Bull. Bottas dans l'herbe. Tête à queue de Valtteri Bottas. Il a tout perdu le Finlandais sur cette relance. Eh bien, il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses dans ce Grand Prix du Mexique. L'arrivée assez mouvementée. Bottas peut repartir, mais la relance qui va faire sans doute quelques victimes. Là, on voit les deux Sauber un peu perdus à s'écarter au drapeau bleu. On a vu passer Vandoorne en difficulté. Mais quelle relance ici à Mexico. Ça passe, mais ça souffre du côté de la voiture de Marcus Ericsson en tête. On retrouve donc Vandoorne, troisième, qui a pris le meilleur sur Vettel après l'entourloupe avec Valtteri Bottas. Attention parce que Vettel est très très proche d'aller chercher peut-être Vandoorne. Nous avons une voiture arrêtée dans l'entrée du stadium, semble-t-il une Sauber. Ce serait bien la voiture de Marcus Ericsson que l'on a vu tout à l'heure à laisser passer pas mal de pilotes. Vandoorne qui est attaqué par Vettel. Vettel qui passe. Est-ce que Vandoorne peut répliquer le blocage de rouleau contact entre les deux voitures? Mais Vettel est passé. Oh, on va se retrouver à quasiment 3 de front avec la Red Bull. Magnifique. Et l'attaque peut-être à l'extérieur de la Haas. Non, ça ne peut pas passer. Romain Grosjean qui est en train de prendre à revers Vandoorne là, qui a donc cédé 3 places maintenant. Le Belge en grosse difficulté. Nouveau blocage de roue. Grosjean qui passe. Grosjean qui passe. À une fin de Grand Prix absolument folle ici au Mexique avec des changements de position assez significatifs. L'attaque impériale de Vandoorne dans les S qui dépose la voiture de Romain Grosjean. Mais le Français peut peut-être revenir à l'aspiration. Il déboîte là, ce qui est une vitesse phénoménale. Et l'attaque à l'intérieur, il se touche avec le Français Vandoorne qui n'est pas content et qui le fait savoir à Romain Grosjean. Oh, il le pousse, Grosjean qui met Vandoorne en tête à queue. Le peloton est arrêté dans le stadium. Qu'est-ce qui s'est passé? Vandoorne poussé par Grosjean. Oh, il doit être fou furieux le pilote belge. Et il est maintenant dixième de ce Grand Prix. Est-ce qu'on va rentrer au box? Non, ça continue pour Vandoorne. Il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts. Mais Romain Grosjean qui met le leader du championnat dehors. Et Massa qui revient. Massa qui revient évidemment. Et Gutiérrez. Gutiérrez aussi. On se bat pour des points. Gutiérrez qui plonge. Magnifique. Oh, le Mexicain devant son public qui a failli prendre les deux voitures directement au bout de la ligne droite. Mais il n'en est rien. Mais que de perte de temps et de position pour le pilote belge, Stoffel Vandoorne. Incroyable ce qui s'est passé dans cette relance ici à Mexico. Vandoorne. Good job, your brakes are in the optimum temperature zone.
On confirme à Van Dorn que tout a l'air au beau fixe, mais ça n'est quand même pas folichon. Alors que devant, le duel est absolument somptueux pour la victoire. Une Ferrari contre une Mercedes, pas de McLaren à l'horizon. Raikkonen, Hamilton, qui va pouvoir imposer sa machine à l'issue de ce Grand Prix. Hamilton qui plonge peut-être pour prendre la tête du Grand Prix du Mexique. Ils sont côte à côte dans le S, c'est superbe. Est-ce que Raikkonen va se laisser faire? On ne dirait pas. Oh, à l'extérieur, Raikkonen, ils sont côte à côte. Quelle explication entre ces deux-là. Raikkonen à l'extérieur. Hamilton reste en tête. C'est pas terminé, c'est pas terminé du tout. Il reste quand même pas mal de boucles à ce Grand Prix. Mais bien malin qui peut nous donner le nom du vainqueur. Et si on a une victoire Mercedes, ce sera un revirement de situation incroyable pour la recherche et les performances des voitures. Et Vettel derrière qui, avec cette petite bagarre, se permet de grappiller dixième après dixième et on pourrait retrouver une lutte à trois. Regardez le classement, Van Dorn qui pour l'instant met le point de la dixième place. Il y aurait ainsi 10 points d'écart entre lui et Alonso. Vettel en mettrait 226 avec les 15 points de la troisième position. Et donc on aurait, avant l'arrivée des pilotes au Brésil, 10 points d'écart entre Alonso et Van Dorn. Mais le Grand Prix est loin d'être terminé avec, regardez par exemple, l'attaque à l'intérieur de Raikkonen. Hamilton ne ferme pas la porte. Et le Finlandais retrouve la tête du Grand Prix. Ah, le public mexicain qui se réveille, on l'entend déjà un peu plus scander dans le stadium. Il faut dire qu'il y a match entre ces deux-là. La lutte pour la première place, Raikkonen-Hamilton. Pas de pluie, c'est ce que l'on confirme avant Van Dorn, même si c'est vrai qu'il y a quelques nuages supplémentaires qui sont venus se hisser au-dessus du circuit. On voit là les précipitations possibles, mais ça reste de l'ordre du très rare. Allez, le pilote régional de l'étape, Sergio Pérez, avec la Force India, qui fonctionne bien à domicile. On le voit à la lutte avec l'une des Toro Rosso. Une demi-seconde entre Van Dorn et la voiture qui le précède, alors que devant, Raikkonen a résisté ce tour-ci à Hamilton. À une victoire du Finlandais peut-être aussi intéressante. Raikkonen 199 points, Vettel 211. Ça les remettrait quasiment à égalité. Dit Christoffel Van Dorn que le carburant, hop, le carburant disponible est encore de 5 tours. Van Dorn qui est en difficulté avec son train avant. Et regardez l'état du moteur du pilote belge qui est dans le jaune. Et attention à ne pas se faire avoir comme l'a eu tout à l'heure Fernando Alonso en perdant éventuellement un moteur. Raikkonen en tête. Et ça va vite, hein, ça va vite, alors que devant on voit la sortie des boxes de Pascal Wehrlein qui se retrouve juste devant les hommes de tête. Avec une stratégie décalée, il vient lui seulement maintenant de chausser les pneus super tendres. Et attention parce qu'il pourra avoir son rôle à jouer dans la lutte pour la victoire. Et oui, effectivement, il va retenir les hommes de tête dans cette partie sinueuse, de quoi permettre à Vettel de rejoindre son équipier. Un duel à 2 contre 1 peut-être à venir se profiler dans les prochaines secondes dans ce Grand Prix. Raikkonen qui essaie de passer, mais il perd du temps, il perd beaucoup de temps. Raikkonen, ça passe. Oh, mais Hamilton ne peut pas passer. Hamilton qui est bloqué derrière la voiture de Pascal Wehrlein.
Et retour avec Stoffel Vandoorne, alors que devant, on voit quand même de belles performances, notamment Perez hein, qui est 8e et la 7e place. Oh, attention, un moteur de nouveau qui explose, qui est-ce ? C'est Carlos Sainz qui vient d'abandonner sous les yeux de Stoffel Vandoorne. Ah, le moteur qui lui a quasiment explosé au visage à Sergio Perez, peut-être de l'huile sur la visière du pilote Force India, mais là, on a un drapeau jaune et une voiture stoppée dans le poste 24. Ouais, ça va nous poser quelques petits soucis, ça je pense, avec les drapeaux jaunes. Alors que vous le voyez avec l'aide des retardataires dans les derniers kilomètres de ce Grand Prix, Raikkonen et Hamilton ont été rejoints par Sébastien Vettel. Va-t-on assister éventuellement à une correction d'Hamilton face au Ferrari ou à l'inverse, un doublé des machines du Commendator et de Maranello? Peut-être un doublé Ferrari, ce qui scellerait définitivement le sort de l'équipe italienne au classement constructeur. Cette dixième pour aller chercher Perez, est-ce que Vandoorne va mettre un terme au rêve du pilote mexicain en ramenant des points devant son public? On voit que derrière, par contre, il y a un pilote qui revient fort avec une stratégie différente. C'est Max Verstappen, le néerlandais, qui tourne actuellement 4 dixièmes plus vite que Vandoorne. Ça va être compliqué de résister pour le Belge. Il va sans doute y avoir match avant l'abaissement du drapeau à damier. Raikkonen qui résiste. Regardez les écarts. 4 points maintenant pour Vandoorne. 288 face à 301 pour le Belge. Attention, l'attaque d'Hamilton sur Raikkonen. Est-ce que ça peut passer? Ils vont être de nouveau côte à côte. Raikkonen qui cède. Hamilton en tête du Grand Prix. Formidable. Formidable bagarre à 3. Et les deux Ferrari vont maintenant disposer du DRS, non pas pour Raikkonen, mais Hamilton là quand même pour se défendre, c'est bien. Mais quel suspense ces dernières boucles. Et regardez, il est passé Verstappen à la vitesse de pointe, Vandoorne est nulle part, il se touche. What an idiot, he completely ran into me. What a child. Et à deux tours de l'arrivée, Vandoorne et Verstappen qui s'expliquent. Le Benelux est en feu. Ah là, c'est sûr que devant les écrans de télévision en Belgique, ça doit chauffer, tout comme aux Pays-Bas. Nouveau contact avec la voiture de Verstappen qui est venue toucher la roue arrière de Vandoorne. On n'espère pas de crevaison. Et regardez les deux Ferrari qui vont avoir le DRS dans cette dernière grande ligne droite, peut-être pour sceller le nom du vainqueur de ce Grand Prix. Raikkonen à l'aspiration, il va se porter à la hauteur d'Hamilton, c'est fait. Raikkonen qui attaque peut-être pour remporter ce Grand Prix du Mexique. Il est en tête, le Finlandais, et la Ferrari de Vettel à l'extérieur peut-être. Ils vont travailler en équipe. Et Hamilton qui va peut-être être battu. Et Lewis qui ne peut rien faire, si peut-être résister face à Vettel. Ils sont quasiment hors circuit. Les deux pilotes, ils sont côte à côte maintenant. Avantage à Vettel qui va avoir l'intérieur sans doute au prochain virage, alors que derrière on voit la voiture de Pascal Wehrlein se mêler à la bagarre. Ici c'est chaud également avec Massa qui s'explique avec Gutiérrez. On joue des points également ici aussi. Quelle finale dans ce Grand Prix. Oh là là, et Massa qui est passé. Et bien voilà. Alors, 36e et dernière boucle. On a donc les deux Ferrari en tête. Les deux Ferrari en tête du Grand Prix devant Hamilton. Incroyable, Vettel qui est attaqué dans le stadium et Raikkonen qui va s'imposer une nouvelle fois dans cette saison 2017. Victoire Ferrari, victoire de Kimi Raikkonen. Deuxième place pour Sébastien Vettel, doublé de la Scuderia Ferrari. Voilà, c'est fait. Troisième place pour Hamilton qui avait la victoire il y a encore un tour de cela. Incroyable. Alors il faut aller voir maintenant ce qui se passe derrière avec Ricardo. Et attention, Vandoorne et Verstappen dans le stadium, ça va être chaud. Et ils vont presque se toucher finalement. Oh, et Vandoorne qui pousse Verstappen. Et le coup de ponton du néerlandais, Vandoorne dehors. Ah, jusqu'à la ligne, qui va passer devant? He just drive into me again. This guy is just a lunatic. It's impossible to race against him. Bad luck, it just was not day today. Yes, but Verstappen is a complete idiot. Just ran into me twice on the last lap. Come on, Jeff.
Eh bien, que de mots chauds entre Van Dorn et Verstappen. Ces deux-là ne vont pas aller en vacances ensemble au Brésil, je peux vous le dire. Et la victoire de Raikkonen, incroyable, alors que le stadium ici est en train de s'enflammer. Et il y a quand même pas mal de pilotes qui ont fait une belle opération. On va débriefer le championnat après la cérémonie parce que là, va falloir faire les comptes. Et Kimi Raikkonen sur la plus haute marche, aux côtés de Vettel. Ferrari, peut-être la voiture à avoir en 2018, peut-être pour Alonso, peut-être pour Van Dorn. Mais qui remplacer chez Ferrari qui a dit vouloir se séparer d'un de ses pilotes alors que McLaren veut se séparer de deux de ses pilotes. Bref, en tout cas, chez Mercedes, on ne se pose pas de questions avec Bottas et Hamilton sans doute reconduits et le champagne dans ce Grand Prix du Mexique. Le résultat final avec le doublé des deux Ferrari devant la voiture d'Hamilton. Ricciardo, 4e place, 5e pour Viat. Belle performance tout de même de Romain Grosjean, 6e avec l'As, il faut le mentionner. Et on retrouve derrière Sergio Perez pour son Grand Prix national. On a vu qu'entre la Manor de Gutiérrez et la Williams de Massa, on se battait pour un point. Les écarts avec 19 unités qui séparent désormais Van Dorn d'Alonso. Et les deux Ferrari, les deux Mercedes, on est très 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 sages. Et Hamilton prend l'avantage évidemment sur Valtteri Bottas. Le classement constructeur va s'afficher dans quelques instants. Il me reste moi à vous donner rendez-vous pour l'avant-dernier Grand Prix de cette saison avec le Grand Prix du Brésil à Interlagos, sur le circuit l'Autodromo Carlos Pache. Merci à toutes et à tous de votre attention. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. On se donne rendez-vous très vite pour la suite de cette saison et à la prochaine. Salut !